Mouais. Tu vas voir, toi. Je vais venir te casser la gueule. Je parle pas à la caméra, hein, même si je pense que je pourrais lui casser la gueule des fois. Mais je parle de machin là-haut, là, qui nous fixe, là. C'est un bouffon. Bah sinon, donc, salut à tous et à toutes. C'est moi, Lune9511. Ah, on me gratte de partout, déjà. Ça commence bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Donkey Kong Country Returns. Donc, dans l'ancien épisode, on était arrivé dans ce nouveau monde, le monde de la plage. Et on avait... Nous avions... Parlons fort ça, s'il vous plaît. On commençait les 4 premiers niveaux. Et nous allons finir le monde, donc la mer tentaculaire. Jolie rime. Ado de cachalot, après on va faire, je me souviens du nom du niveau. L'imitation la plus moisie du monde. Oh tiens, c'est le fameux rocher en forme de poulpe qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Ah d'accord, carrément. Donc je sais ce que c'est ce niveau. Ce niveau est très excellent, franchement. What? Mais c'est sérieux? Mais va te faire, petit con! Bon, allez, là-dedans. Éteins les lumières, on essaye d'être discret, merde! Bon! Ce niveau est excellent, comme je vous disais, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bagouille? Bon, ça, je peux y arriver, c'est trop chiant, ça. Déjà, si j'arrive pas à... Ah merde! Bon, d'accord, j'avoue, j'y suis arrivé. Mais je le sentais pas au début. Hein. Je le sentais vraiment pas. Ça m'avait l'air un peu trop ardu du cul. Oui, je sais, je viens d'inventer ça. Je sais pas si je viens d'inventer. Attendez, oh, j'ai peut-être raté les trucs. Faut peut-être ressortir à parpette là. Ah, là, ça va commencer. Oh la vache! Ah non, attendez, non. Voilà, il y a Monsieur Poulpe là qui... Il nous a vu. C'est quand même... Le cadrage, il est bon? Non, attendez. Là, je joue tout en regardant mon cadrage, c'est un peu hardcore. Attendez, il y a une belle grappe de banane là. Voilà. Non, le cadrage est bon, ouais. J'ai cru qu'il était pas bon. Le ballon, trop tard. Oh la vache, oh la vache. Bonjour. Comment vas-tu? Une caisse? Tu sens la mer agitée là. Est-ce que tu sens venir la merde? Oh la vache. Ce mec cherche les embrouilles. Oh la vache. D'accord, ça pour une banane. Merci les gars. Joue avec la mort. Genre. Qui veut du poulpe? D'ailleurs, les beignets du poulpe, c'est délicieux. Je sais, je vous en foutais, mais juste pour dire ça. J'adore les beignets de poulpe. Je pensais que c'était dégueulasse, mais en fait, c'est délicieux. Comme quoi. Bien la musique bien stressante. Ah, c'est ces conneries là. Oui. Deux secondes, j'arrive. Tant de secondes là, il va. Bonjour. Mais t'as combien de tentacules, mec? Aïe! Oh putain, j'avais même pas vu.
peux pas me laisser le temps d'avancer un peu? Bonjour. Pourquoi tu veux ma mort? Je suis gentil, moi. Oh la vache! Oh, on s'en fout de ça. J'ai tenté un truc. D'accord, si Donkey Kong veut bien le faire, bien évidemment. Mais fais-le! Allez là! Non, ça marche pas. Bon, bah, c'est sur l'autre. Non, c'est pas assez. Ah, d'accord, ok, non, c'est bon, joue. Joie, mais ça tire pas assez. Allez! Allez! Excusez-moi, j'aimerais bien avoir une putain de roquette là. Bah, sors d'où? Mais what? Tu sors d'où toi? Ok, génial! Ça c'est cool! Oh putain de merde! Putain, mais j'y arrive mieux sans Didi, c'est une blague ou quoi? Boost purée! Attention, là je peux plus planer. J'arrive pas quand j'ai réussi. Oh, 15 vues! Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais par contre. La pieuvre là, si jamais on mettait trop de temps à s'élancer, elle nous détruisait, elle nous tuait. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une de ses tentacules qui se dirigeait vers nous. Si jamais on met trop de temps, bah, elle nous bute. Elle dégoûtée. Infini de tsunami. Ah oui, tsunami, je m'en souviens de tsunami. À deux mots de cachalot. On fait ce niveau d'abord, hein, merci. Tu te calmes, hein. Tu me laisses faire ce que je veux. Je regarde le cadrage, je regarde la luminosité, je regarde ma tronche, non j'ai fait. Je regarde mes sous, non. Ouais, c'est de la merde. Bon, j'arrête avec cette imitation bien merdique. Ah, salut. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? En tout cas, il fait très beau. Il fait un beau soleil. Pourquoi il y a ce trou énorme là? J'arrive chez toi, bam! J'enfonce la porte, moi. Même s'il n'y avait pas de porte. C'est quoi ce truc? La dernière petite banane, vous savez, qui veut pas être récupérée. J'en sors bien pour ces petits niveaux là, c'est pas mal. Ouah, mais purée, mais le temps que mon cerveau analyse la situation, je me suis déjà fait toucher. Je veux dire, c'est quoi ce truc qui bouge? C'est la queue du cachalot. Hein. Oui, parce que à d'autres cachalots, on va vraiment. À d'autres cachalots. Par contre, je trouve ça inadmissible que les crabes là, ils m'ont éjecté de chez eux là. Si, ça peut pas accueillir des gens. Oh, mais putain, je joue tellement mal. Il est ferme. Bien évidemment, le cœur qui est là. Pour bien te narguer, vous savez. Pour te dire, il fallait faire plus attention et peut-être que tu aurais récupéré ta vie. Oh, mais cassez-vous! C'est mon cachalot! Ah, quel accord, c'était très. Un coup de bol! Ah! Hey, tu te calmes en dessous! Oh merde! Va bien que tu plonges, petit con. Putain. Strike! Donnez-moi un cœur ou Didi ou quelque chose, quoi. Des mouettes en forme de boule. En forme de quille. C'est ça, c'est pas fun? Ah bah ouais, on a pas fait un strike. Oh, oui, c'est pas grave. 2 grammes. Ah non.
Ah, Didi, je suis tellement content de te... de te revoir. Tu m'es d'une grande utilité. Casse-toi. Ah. Waouh. Ah, il se retourne contre moi. Le pubier. Voilà, meuf. Putain, mais il est en train de tout casser, quoi. S'il te plaît, merci. Salut, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes naufragé? Ah! Ça va, il veut toujours ma mort. Putain, mais quel enfoiré ce cachalot, je te jure. Il met, puis après il retombe sa veste et il fait aucune en fait, je vais te tuer, tiens, allez. Hop, bonjour. Cassez-vous de mon bateau, s'il vous plaît. J'arrive à récupérer toujours les lettres Kong, mais pas les pièces de puzzle. Hop là. Au revoir. Et une vie en plus. Parce que j'avais récupéré son banane. Ah, mais tout se passe bien, dites-moi. Sauf pour les pièces de puzzle. Mais bon, ça c'est anecdotique. Pas partout. Allez, dernier niveau avant le boss. Infini Tsunami. Alors, ce niveau... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous allez voir. Déjà, Tsunami, ça annonce rien de bon. Mais Infini par-dessus le marché, alors là... Cherche un mot. Voilà. Oh l'enfoiré! Non, non, attends. Les bananes peuvent être emportées. Hein. Faut se cacher derrière ces rikiki trucs. Faut voir les bananes. Alors vite là, celui-là après il va se casser. On va voir les crabes. Fais-toi. Je me souviens si. Oh la merde. En plus, c'est chronométré de machin. Bordel de merde. Putain, le crabe. Il y a quelque chose en bas. Ah bah non. Ah bordel. Mais je pensais qu'il y avait quelque chose, moi. Je sais pas, ça paraissait suspect. Bon, moi, je suis mort comme une merde, mais bon. Tu ne tentes rien à rien, comme on dit. Imaginez faire ce jeu en speedrun. Machin chronométré, c'est vraiment dégueulasse. Bon, ok, j'ai compris, là il n'y a rien. Mais celui-là, ça va, c'est suspect. Il a touché, hein, ça. Pas grave, hésitez, on s'en fout un peu. Mais y'a un tsunami, toi tout ce que tu trouves à faire c'est de mordre les fesses quoi. C'est très stressant comme niveau quand même. Devoir arriver la vague en fond là comme ça, c'est un peu stressant. Ça va pas se mentir. On va voir le ballon. Mais non. Lui il est bien caché derrière son rocher. Vite la bague, tue-le! Alors, hop, voilà! Petit fumier. Il faut que j'aille me faire toucher par un bout de sa queue. C'est moi ou c'est, vous êtes de plus en plus beau? Oh la vache! Ouf! Bien joué! Bien joué, ça. Ok, j'ai récupéré Didi, ça c'est cool. Ok, go! Go, 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 operation! Casse-toi. Mais dites-moi, c'est que pour les pièces de puzzle, ça se passe aussi bien.
Je vais arriver à parler, genre. Baisse-toi! Mais putain, mais... Oh! Mais donc, con, t'es sérieux? Je lui ai dit de se baisser, merde. Mais il s'est trop avancé, cet idiot. Perds pas de temps. On s'en fout, je vais déjà récupérer tout ça, allez. Ah non, pas ça. Bon, les pièces de puzzle, elles sont toujours valides, en tout cas. Ah putain, ça m'énerve quand je dis de se baisser qu'il ne le fait pas. Merci, je voulais activer le what, bonjour. Quoi? Mais attendez, non, c'est une blague là, non mais les gars, oh. Faut pas déconner là, attendez, d'où j'étais à l'extérieur, enfin d'où il y avait une vague déjà. Mais attendez, non mais... Oh là là, c'est pour ça que j'aime pas trop ce niveau, c'est... Le premier qui dit un commentaire, je le tue. J'en ai marre quand les personnages se foutent de ma gueule. Je veux bien dessin, merci. Ça, c'est ma spécialité, vous voyez. Les trucs débiles, comme pas permis, je les rate, et je meurs comme une merde. Par contre, des trucs super ardus, alors là, pff, nickel. Hein. Oh, shit. Putain, mais... Oh, mais bordel! Oh, mais ces crabes, ils me saoulent, sérieux! Ça y est, je commence à m'énerver, ça commence. Comme ça, ça fera durer l'épisode. Ça en fait plus pour nous. Vous me saoulez, vous, monsieur. Ces crabes me cassent les burnes, mais bien comme il faut. Baisse-toi! Mais... Alors, je m'étais pas relevé, mais bon, on va rien dire, hein. Je m'étais pas relevé, hein, je le sais très bien. Mais c'est moi qui ai le stick en main, c'est pas le jeu. Je crois que ce jeu commence à me faire des doigts d'honneur, mais bien haut, quoi. Non, putain. De toute façon, je m'en doutais, dès que j'ai revu le niveau, je me doutais que j'allais en chier. Tous les deux. Merci. Oh merde. Il met un laps de temps à se baisser, c'est chiant. Laisse-toi. On va se réfugier là, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup moins risqué. Est-ce que là, ça rentre par les fenêtres? Ouais, je crois. Je crois, sinon ça serait pas drôle. Ah, mais en plus, on était pas loin de la fin de niveau, quoi. Ah, je te jure. Il y a des niveaux comme ça où vous en chiez un max. Puis vous ragez, puis vous vous énervez, puis vous balancez la manette, puis vous cassez la manette, puis vous tuez des gens. Merci le jeu pour le spoil! Oh bordel! Ah d'accord, donc c'est bien ça, faut vraiment récupérer toutes les lettres Kong de tous les niveaux d'un monde pour débloquer. Merci le spoil! Bien! Merci le jeu! Enfin, merci moi, enfin, c'est à cause de moi un peu, parce que si j'avais pas tout récupéré. Le temple plongeant. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas ce niveau. Pas maintenant. Ça sera pour bien plus tard. Je sais pas si je vous explique en fait. Donc, faut bien récupérer toutes les lettres Kong. Ouais, donc je vais devoir faire tous les niveaux. En gros, c'est un truc pour la fin du jeu. Après la fin du... Une fois qu'on a fini le jeu, il y a encore un truc à faire.
Je vous dis pas quoi, mais il faut faire des niveaux comme ça. En gros, si vous voulez, ces espèces de petits temples, c'est les niveaux les plus durs du jeu. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, sauf qu'on y va pas. C'est pour la fin. Ce sera des vidéos bonus. Bref, donc le boss. Donc merci pour le spoil. Pirate pince sans rire. Pirate pince sans rire. Est-ce qu'il y a une blague derrière ce mot? S'il y a une blague, je la trouve pas. Non, parce que déjà qu'avec le let's play de Caribou Fait de l'aventure, les blagues, ça allait. C'était la fête. C'était les blagues, 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 blagues. Voleur. Ah, les maracas. Je me souviens plus de ce boss. Enfin si, je m'en souvenais, mais je me souviens plus comment on le bat. D'accord, il y a un public qui se ramène. D'accord, celui-là c'est comme ça. Ils sont gros quand même. Attends, j'ai attendu qu'il fasse sa lance, voilà. Allez, capitaine, là! Ok. Hey! C'est la fête! Non. Ok. Ah, mais putain! Mais non, mais je t'ai jamais demandé de faire ça, mais sérieux. Merde. Mais oui, mais pourquoi tu me demandes? Je crois pas, pourquoi tu me demandes de faire ça? Mais, ouais, cool, mais... Excusez-moi si je suis un peu lent, mais je vous le dis, ce boss, je ne me souviens plus du tout. Mais... Putain, mais il met des plombes à danser, là. Merde, arrêtez de danser un peu. Ce boss, c'est le boss dont je me souviens le moins. Je vous le dis, c'est le boss dont... Rien du tout. Donc quand je vous dis que je me souviens vraiment de rien, c'est de rien. Je sais même pas comment on le bat. Fumier. Évidemment, faut qu'il commence à faire sa putain de danse au moment où je veux sauter sur sa gueule. Rien du tout! Ah, mais je vous le dis, ce boss, c'est vraiment le néant complet. Pourquoi il me demande de. Ah, ouais, d'accord. Il faut aller comprendre, les gars. Bien évidemment que monsieur fasse sa connerie là maintenant. D'accord, et là pourquoi ça marche pas? Oh putain, mais sérieux, ce jeu. Enfin, non, ce boss. Mais oh, putain. Je suis sûr que même. Non, même le boss final, je m'en souviens mieux. C'est pour vous dire. Puis bien évidemment, on recommence depuis le début, sinon c'est pas drôle.
Non mais vous croyez quoi? Quel est checkpoint? Mais vous êtes des rigolos, vous! Vous me prenez pour qui? Mais attendez, il me demande de faire cette putain de roulade! Ouais, alors je sais qu'il y en a beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de hurler derrière votre écran. Rien, ce putain de boss, sérieux! Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quoi, Miglin Geek, quoi? Mais sérieux, mais même avec le cochon, je comprends que dalle! C'est fini? Mais je me fais repousser, mais... Oh putain de merde, ce boss va me casser les burnes, et je suis très sincère. Mais de toute façon, je m'en doutais, je me souvenais... En fait, si vous préférez, je me souvenais de la gueule du bof... Du bof. Oui, il est bof, ouais. Je me souvenais de la gueule du boss, je vais y arriver. Mais je me souviens pas du tout comment il faut le battre. Maintenant, je crois me souvenir... Il est casse-couille. J'en ai marre de me faire repousser comme ça, c'est vrai, merde. Donkey Kong, t'es Donkey Kong, oui ou merde? Je m'en doutais, mais... Je comprends pas la deuxième phase. Pourquoi il me dit de faire ça, et ça marche une fois sur quatre? Je suis gentil, en tout cas. Il veut comprendre rien, mais... Oui, d'accord, faut les défoncer, mais faut les défoncer où? Attendez, je crois peut-être avoir compris. Deux secondes. Je pense que c'est ça, ouais. Attendez. Ah, c'est ça. Putain, mais fallait comprendre. En fait, faut leur foncer dessus quand ils font le tch. C'est une blague. J'ai récupéré un cœur parce que je ne savais pas du tout ce que j'ai fait, là. Donc je me suis dit, tant mieux. C'est à ce moment-là que je perds Lily. C'est blague sur blague, hein, ce jeu. Bien évidemment. Oui. Putain, foire. Alors je suis désolé d'avoir rien compris. La mort la plus classe du monde. Mais franchement je ne comprenais pas. Chacun son rythme pour apprendre, ok? Bon, est-ce que cette fois je vais pouvoir faire ce que j'ai envie? Voilà. Je vous avais dit qu'on pourrait leur casser la gueule à un moment. Et comme d'hab, on finit le monde sans Didi. Comme d'hab, hein, à chaque fois. Je crois que ça va être un rituel. Putain, une demi-heure? Waouh! On me dirait, j'ai galéré au niveau d'avant et le boss c'était pareil, hein, je ne comprends strictement rien. Les ruines! Voilà le troisième monde. Ouais! Les ruines! Voilà! C'est quoi le boss des ruines? Monsieur. Voilà, donc deux mondes de fait. C'est très bien, bon! Ah, j'ai mal au bras. C'est quoi le prochain monde? Ah, d'accord. Donc nous sommes arrivés aux ruines. Un monde que je trouve vraiment sympa, les ruines, hein, si je me trompe pas. Mais c'est vraiment un monde que je trouve très sympathique. Bon, bah ça va faire une demi-heure. Ça fera plus pour vous. Vous me verrez rager, c'est pas mal. Bon, je suis désolé, déjà, le niveau du tsunami, bon, j'avoue, il y a certains trucs, c'est de ma faute, mais il y a des fois,
Genre le coup de Donkey Kong, je sais qu'il est abaissé, mais je me fais quand même éjecter. Je ne sais pas pourquoi. Le coup de la vague est passée, il y a plus de vague, mais je meurs quand même. Je sais pas, c'est peut-être une petite goutte d'eau qui m'a expulsé. Peut-être, hein, c'est vrai que les gouttes d'eau lancées à pleine vitesse, ça tue. Hein. Enfin oui, c'est vrai en fait, maintenant que je pense, l'eau lancée à haute pression, ça tue. J'avoue, ouais. Mais une goutte d'eau, je parle pas de pas un jet, mais une goutte. N'importe quoi. Quoique, non, j'en sais rien. Je suis pas scientifique. Enfin bref, voilà. Et le boss, j'avais rien compris, franchement. Il me disait de faire la roulade, mais je savais pas quoi. Alors je sais que peut-être derrière votre écran, vous avez peut-être hurlé de rage en disant « Mais espèce de plus gros !» Voilà. Mais bon, désolé, hein. Bon, je vais essayer de me rattraper pour le prochain épisode. Du moins, je l'espère. Bah sinon, donc... J'espère que cet épisode vous a plu, laissez des j'aime par des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et dans le prochain épisode, on commence le monde 3, les ruines. Il y a combien de niveaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 niveaux? Du tout? Il y a moins de niveaux que dans le deuxième monde. Dans le deuxième monde, il y en avait 7, là, il y en a 6. Ouais, plus le boss, ouais. Bon, bah... Tant pis, hein. Et la caverne. Non, la caverne de Cranky. Allez. Ah, j'ai mal partout. Salut. Et à la prochaine.